Je fais super mal les gars, c'est incroyable les dégâts que je mets. Quand je fais des builds comme ça, je m'aime en fait. C'est incroyable. Et dégâts du E, bordel. Hey les potos, c'est le slip. Avant de vous laisser avec ce magnifique gameplay, cette vidéo est sponsorisée par Level Up. Et oui, vous le savez maintenant, ça fait 4 mois que je suis sponsorisé par Level Up, ça se passe super bien, vous êtes tous très contents de ce sponsor, pour la plupart qui ont essayé, donc je continue. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Level Up, je vous fais un petit récapitulatif. Level Up c'est quoi? Ce sont des boissons pour tout ce qui est activité non physique, des boissons pour le gaming, pour si vous travaillez en bureau, si vous jouez à des jeux de société, bref, tout ce qui est hors physique. Donc boissons adressées spécialement pour les gamers, forcément, parce que nous on passe beaucoup de temps devant le PC à réfléchir, à se concentrer, on a besoin de peps, on a besoin d'énergie. Dans du Level Up, il y a quoi? Il y a de la caféine, il y a de la taurine, il y a du ginseng, des vitamines, plein de choses pour la concentration. Et cette boisson t'aide à rester un petit peu à fond dans tes games, ce qui est important sur LoL. Donc l'avantage c'est quoi aussi? Faible en sucre. On est sur 4 grammes de sucre pour 500 ml. C'est même pas un carré de sucre. C'est très peu calorique, c'est à peu près une vingtaine de calories. On est sur 1 euro la portion, parce que tu as dans un pot, tu as 40 portions. Et pour ce qui est de la qualité, de la santé, tout ça, c'est approuvé par les laboratoires allemands. Donc ne t'inquiète pas, made in Germany. Hein. Et les Allemands, ils rigolent pas avec la santé, ils rigolent pas avec la qualité, ça vous le savez. J'ai un code à vous faire partager. Pour ceux qui ne savent pas, avec Level Up, ça se passe super bien. Ils sont super contents de la Team Sleep pour votre confiance et beaucoup d'entre vous ont adoré les produits et je vous remercie pour votre confiance encore une fois. Et ce qui me fait trop plaisir, c'est que vous êtes trop content du produit, tout le monde est content, on se croirait dans un Disney frérot. Je vais avoir un code pour vous les amis, le code SLEEPX. Vous allez avoir une promo très spéciale, j'ai demandé spécialement à Level Up que pour vous, c'est à dire que les autres youtubeurs, les autres streamers n'ont pas cette promo, c'est spécialement pour vous la Team Sleep. J'ai fait un sondage de savoir quels sont les deux parfums préférés de la Team Sleep. Au final, après les 1000 commandes, les deux parfums qui ressortent, ce sont l'Icy Pêche et le Triple Green. Du coup, sur ces deux pots, vous allez avoir 35% de réduction au lieu de 5, normalement mon code habituel c'est 5, là vous avez 35% pendant une semaine jusqu'au 1er septembre. Profitez bien les amis, vous avez qu'une semaine. C'est vraiment exclusif. Ils font vraiment ça pour vous remercier parce que vous avez beaucoup à faire confiance. Ils ont vu les 1000 commandes, ils se sont dit ok SLEEPX, on te fait un code pour ta commu, ils sont top, ils font confiance, donc on te régale en retour. Et merci à Level Up pour ça d'ailleurs. Ça vous fait à peu près allez, 60 centimes par jour si vous buvez une portion par jour. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez tout en commentaire épinglé, tout en description. Vous avez le lien de la promo avec le pack. Le pack qui s'appelle le pack SLEEPX, vous avez les deux pots déjà dedans. Vous allez dans. Vous faites continuer vos achats et vous rentrez le code SLEEPX ensuite pour avoir la réduction en plus. Et comme ça vous allez payer ça vraiment pas cher pour le coup là. Voilà, c'est tout pour le petit sponsor. Merci encore une fois pour votre confiance et merci à Level Up pour ça, pour ce petit cadeau. Et place à la vidéo, on y va. J'ai envie de vous dire que ça va être très très compliqué, mais il y a moyen de moyenner. Au pire, on peut tenter un stuff briseur avec une mana mune pour potentiellement emmerder ce Nasus. Ah mais je vois pas comment je peux déloger un Nasus en fait. Faut vraiment que. Après parce que j'ai pas un jungle agressif, j'ai une Evelyn quoi. Evelyn ça agresse pas trop. Mais je pense que la game est gagnable. On a quand même la tortue sacrée au mid, nous avons Shirial, nous avons Sconslol. En vrai, il y a moyen de... Voilà. Hop là, point dans sa gueule. Et en vrai, le E-point, ça fait mal, hein. Incroyable. Il grid, les gars, il grid. Ne sais pas qu'il prend des risques en faisant ça. Il se fait surprendre par les dégâts de la poigne, les amis. C'est parfait. Il se fait surprendre, les amis. Alors, on va reset. Je vais faire la tire, les gars, je pense. Les gars, je vais tester une dinguerie. Je pense vraiment il y a moyen de bien emmerder ce Nasus là. Je vais faire Muramana. Je vais faire Pourfendeur Divin. On va essayer un truc. On va essayer un stuff de bruiseur, genre. On va essayer une dinguerie. Franchement, les gars, le E de Blitzcrank avec la poigne, c'est pas dégueu. Hein. Que fait jungle ici? Oh, ce gank éclaté là. Ah, il a voulu crash la wave. En vrai, notre rôle, les gars, Blitzcrank, il faut pas croire, hein, c'est un bon potentiel avec son passif là, avec la mana. Vu que j'ai l'alarme, j'ai un gros bouclier, hein. Il pense me gagner, gros. C'est un mad ou quoi, gros? Petit fifou, va. Quelle fight de retard, sans déconner, quoi. On aurait dit un débat entre un mec qui aime la tartiflette et un mec qui aime la raclette, quoi. Ça arrive à rien. Pourquoi faire un débat alors que la tartiflette est mieux? Après, Nasus niveau 6, il me pète le cul, hein. Son ulti est trop fort. Que fait Nasus, les gars? Il a rage kit? Les gars, oui, Nasus. Ah, je vais pas jouer contre un AFK maintenant, hein. Nasus, hi. Qu'est-ce qu'il foutait, gros, depuis tout à l'heure? Ah, il a formé la jungle, je crois. Haha! Ah oh, ça me fait trop rire les patates que je mets. Hein. Avec ma petite brillance là. C'est mal hein, 280 quand même. Hein. Attends, il a écrit comme là, il me taunte. T'as de la chance que j'ai un jungle frérot. Mais fonce dessus, il a pas d'ulti! Ok, ça va, nice.
sans commentaire. Bon, 18, on est d'accord que tu bouges ton cul de revenir, que je veux plus voir ce genre de choses. C'est mon modérateur, il est censé montrer l'exemple. Hein. Je l'invite en game, il propose ça. Tu trouves ça normal ou pas ce qu'il a proposé là? Il faut que je le tue sur les longs trades. Le problème, c'est qu'il a trop de régène maintenant. Mange ta mort. Hein. Ça dégage, mon pote. Get Bonnet Kid. Et ça, c'est pour moi, toutes les plates. Tu vas regretter, mon pote, parce que les plates avec Blitz, ça va vite. Hein. Mais qu'est-ce que tu branles, dites vite. Tu te fous de ma gueule. Ah, Erad. Erad. T'as raison. J'ai rien dit, dites vite. T'es meilleur jungle, dites vite, go. Oui, Erad. Viens pas. Non! Putain, il a grid. Oh, il a grid. Si tu mourais, dites vite, tu étais reported. Pourquoi grid comme ça? J'avais le kill. T'es pas obligé de tenter de mourir. C'est bien, dites vite, c'est bien. Il y a du step up. Prends, je fais super mal, les gars. C'est incroyable, les gars, que j'aime bien. Report Kane, please. Top div, sorry. C'est un peu bâtard de dire ça, mais il méritait. Hein. Non, je peux pas le virer des modos, les gars. Dites vite, est un joueur d'Evelynn très bizarre, mais c'est un bon modo. Je ne peux pas le virer des modos quand même. Ouais, ça coûte, là, le truc. Je la fais jamais. 2500, c'est cher. J'ai pas envie de perdre mon passif. Le Nasus il ferme toute la jungle depuis tout à l'heure. Je fais les tabis ou pas? Tabis c'est bien là. C'est bon les tabis contre leur compo. Je sais pas quoi faire comme item les gars. En vrai, tabis déjà, ça c'est clair et net. Et on fait la Muramana direct. Hein. On fait ça. Hein. On a quoi? On a les deux Drake. On en a qu'un. Âme des montagnes, c'est bien ça sur moi. 20 proc poigne. Oh là, 18 en 4-0. Hein. Bah jungle diff. Hein. Je retire tout ce que j'ai dit. C'est une jungle diff pure et dure. Bon, allons voir ce petit Nasus là. Hein, petit bâtard. J'arrive toi. Tu fais le beau toi, tu tottes? Tu tonnes tes poux? C'est tes poux qui est gentil avec toi qui dit de revenir jouer? Tu tonnes tes poux? Ah, viens là, petite merde. Ah, viens là. Coucou! C'est Slipou! On va te stacker la poigne ici. Hop. On va tempo. Dommage. Si j'avais mon passif, hein, qui revenait dans 10 secondes, j'allais avoir 342 shield et j'aurais pu turn. Mais vu que je l'ai perdu au Gromb comme une merde, je ne peux pas. On va canter son auto, parfait. On garde le passif. Perdu le passif, FF. 342 shield, en vrai, c'était fine. Hein. Notre rôle, je tournais le Kane. Hein. J'ai trop d'armure, il peut pas me tuer après. Hein. Bitch, you are satisfying me, bro. Comment ça, je te satisfais? Qu'est-ce qu'il veut? Il me fait pourquoi? Pour un sextoy ou quoi? Cheating on this Nasus. Ah! T'as pas compris, quoi. Je pensais qu'il me prenait pour un sextoy. Fin. Oh oui, Nasus, viens te battre. Ah ouais, moi aussi je peux me faire gank, hein. Ah ouais. Hop là. Viens là, mon poulet. En vrai, il est pas mal ce petit gameplay de Bisrank poigne, vous en pensez quoi? Le Kane, il dit ça, qui se régale à me voir lui pisser dessus, mais il dit ça parce que je lui ai pas encore cassé le cul à lui. Hein. Après, il va moins rigoler, hein, je te le dis. T'as vu mes dégâts? Ah, les gars, quand je fais des builds comme ça, je m'aime. Quand je fais des builds comme ça, je m'aime en fait. C'est incroyable. C'est incroyable ce que je propose avec mon beats pour Ford en divin. C'est incroyable, gros. Un kill en MV3. Les dégâts du E, bordel. 439 plus proc ça. Bah ouais, c'est ça. Hein. Attendez de voir mon hydro titanesque. Tu sais, je vais tellement vite en plus là. Non, regardez, osez me dire que je suis pas dans le thème de ça, les potes. Hein. Regardez ça. Hein. If you wanna see me, cause I need the money. C'est lui qui vous focus! Bah, FF, hein! C'est quoi cette team, gros? Ça se voit qu'ils avaient pas la musique comme moi dans la tête, hein, vous avez vu? Oula! Ah, il était au silence!
Il pouvait pas stack. Ça s'arrête jamais la musique. Comment ça s'arrête jamais? Encore heureux qu'elle s'arrête jamais. C'est Running in the 19s, mon pote. Ah, déjà mon poulet, hein. Puis cette hook ça. Ah, oh, putain, fais chier, champion de merde, c'est bien. Alors fais gaffe, parce que là, le Nasus, en vrai, il peut un V9. Hein. Faut que Malzahar l'ulti, faut jouer son Nasus là. Allez, go vite. Alors, dites-vous si s'il se fait voler le Nashor avec Evelyn, meilleur champion pour faire le Nashor, il est reported. Hein. On est d'accord, le chat. Cool, petit cadeau là. Ok, pas mal. On a l'Hydrogita. On pourrait même faire Hydrovoras en vrai. Hein. C'était rack les potes maintenant. Ah, oh, mon build il me met bien quoi. Comment j'ai de proc de poigne? 28? C'est pas énorme en soi. Hein. Nasus il est trop big maintenant. Il doit avoir 600 stacks là. 500? Bah, je peux pas faire grand chose. On a pas eu les Drake en plus malheureusement. Bizarre qu'on a pas eu les Drake. La botlane ils ont full win mais ils ont pas fait de Drake. Ok les gars, on est reparti. If you wanna see me, out of the way you like it. Allez, viens là, toi! Qu'est-ce qu'il fait, dites-vite, frère? Dès que je mets la musique, ça part en couille, on arrive à rien toucher. On a une Evelynn, on a un Thresh, on a un Malzahar, on a un Blitzcrank, on n'arrive pas à attraper un Viktor, une Sivir et une Janna. Genre, ils ont aucun dash. J'ai hit 3 hooks dans la game. Ah, je me disais qu'il y a un problème. Ah, ça va, on voit Thresh, il assume, c'est cool. Allez, on joue le Nashor, Nash, et on finit. Ça suffit maintenant, hein. Allez, Nash, tous. Oula, Thresh. Tu viens de flasher une auto-attaque là? Après, si tu flashes une auto et que tu flashes une grab pas, frérot, c'est normal que tu touches que de grab. Ok, les gars, c'est reparti. On change. Oh, je tank tellement! What? Fini, frérot, fini! Go, go, go! Mais fini, on s'en fout des sbires! Parfait avec la musique, les gars. Parfait. Eh, hey, 25k damage, hein. Pas mal, hein. 25k damage, les gars. En vrai, pas mal, hein. Je m'attendais pas autant, hein. Chanel a bien joué avec cette Jinx, en vrai. Faut ça moche de finir comme ça. Non, mais Chardial, t'as pas vu ma POV. T'as pas vu avec la musique ce que ça donnait, quoi. En fait. Genre, on fait le fight, tu fais un flash in zap, et là, il y a la musique qui arrive. C'était juste parfait. Il fallait finir, Chardial. On était obligé de finir comme ça, non. C'était magnifique. En vrai, les gars, la game était marrante. Franchement, ça a l'air, on l'a mis sur YouTube. Tant pis pour les droits d'auteur. Elle sera pas monétisée, mais bon, au moins, En plus, Didvit, il a fait un bon KDA avec sa Evelynn. Il a fait des bons dégâts aux champions. Franchement, Didvit, bon, quelques failles mécaniques, hein, mais en vrai, pas mal. Bravo, Didvit, bravo. GG à vous, les gars, GG à vous. En vrai, ils ont bien joué, la Team Sleep. Ils ont bien joué. GG, pouce bleu YouTube, à la prochaine.